Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors exceptionnellement aujourd'hui, depuis longtemps, c'est une vidéo all action mais un peu spéciale. Puisque vous avez vu sur ma vidéo un petit peu d'hier ou avant-hier, suivant quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Pour mon anniversaire, j'avais reçu de mon fils une carte cadeau pour action. Donc je suis allée ce matin faire mes petits achats à Action avec cette carte cadeau. Et donc je me suis trouvé des petites bricoles très sympas. Et je me suis trouvé également des petits trucs que le caissier m'a dit, oh c'est chouette, ils sont arrivés ce matin. Tant mieux. Donc je vais commencer par ça. Donc là, moi, ma carte cadeau faisait 30 euros. Bon, j'ai dépassé un tout petit peu, 5 euros. Alors, vous voyez, j'étais raisonnable. Et donc, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, d'abord, c'est les carnets de feuilles de scrap 30-15. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai trouvé 6. Alors, d'abord, celui-là, sur le thème de Noël, bien sûr. Bon, je vais vous montrer. Voilà. Alors, on va essayer de montrer pour pas que trop la vidéo soit longue. Alors, je les ai trouvés là, c'est un peu sur papier craft. Voilà. Oup là. J'ai perdu la main. Hein. Ça fait un moment que j'ai pas fait des hauls. Voilà. Les petites choses, les petites bottes, celui-là, celui-là a pas de doré, hein. Mais vous allez voir, il y en a, ils sont à tomber. Celui-là, je sais plus si je vous l'ai montré, la petite, les petits sucres d'orge, des petites moufles, des petits sapins blancs. Et celui-là, c'est tout. Voilà. Donc, celui-là, c'était... Voilà. Ensuite, celui-là, il est terrible. J'adore. Pareil, sur le thème de Noël. Mais alors, celui-là, bien sûr, a du doré, si je ne me trompe pas. Ou c'est pas encore celui-là. Non, c'est pas encore celui-là. Vous allez voir, il y en a un qui... Donc, des petits sapins. Mais ils sont très beaux, hein, je trouve, quand même. Des petits paquets cadeaux. Des petits nœuds. Oups. Des petits des petits sapins blancs et dorés. Encore des petits cadeaux. Des petites étoiles sur un fond noir. Et le dernier, des petits sapins. Voilà. Donc, celui-là, je vous remontre. Donc, peut-être que vous les avez déjà eus hein, dans votre action, mais moi, ils sont arrivés ce matin chez moi. Alors, celui-là est plus coloré. Donc, les couleurs de Noël, bien sûr. Rouge et vert, hein, mais blanc. Donc, des lignes avec des cloches, du hou. Là, c'est des petites, genre des petites flèches. Du hou. Oh. Des petits losanges comme ça, en couleur de Noël. Des petites lignes. Bon, il est un peu moins terrible celui-là, mais bon, pour faire des fonds. Voilà, là, c'est des petits sapins. Des petites boules de Noël. Et là, des sucres d'orge et des rennes. Voilà. Donc, pour celui-là. Ensuite, celui-ci, je le trouve très joli aussi et très tendre. Voilà.
Alors là, il y a du doré, il y a du foil, des petits lapins, vous voyez. Alors, il y a une page en foil, voilà. Et après, il n'y en a pas. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y en a qu'une avec du foil. Vous voyez, les trois autres pages n'en ont pas. Donc, ils devraient faire deux en foil, je trouve, et deux sans. Celle-là, je la trouve super belle. Voilà. Voilà, donc une avec du foil doré et les trois autres n'en ont pas. Donc ils devraient faire moitié-moitié, je trouve. On ferme deux et deux. Celle-là, elle est super belle aussi. Donc bah, pareil. Hein. Donc avec et sans. Là, les petits points. Avec et sans. Les petits sapins. Donc, avec et sans. Mais c'est vrai que je me répète, mais il devrait faire deux pages avec du foil et deux pages sans. Parce que là, on est un peu. On est un peu restreint. Hein. On est un peu frustré. Donc là, sans. Celui-là, je trouve très, très joli aussi. Vous voyez. Donc pareil, la 100. Et la dernière, je trouve très belle aussi, surtout avec le doré. Et 100. Mais bon, même la 100, elle brille un peu. Donc voilà, c'était celui-là. L'avant-dernier, donc c'est celui-là. Là, c'est moins Noël, hein, bien sûr. Mais je l'aimais bien. Quand j'ai ouvert la première page, regardez. Ah, j'ai flashé dessus. Trop belle. Mais c'est pareil. Une page en doré. Et les autres n'en ont pas. Celui-là, il est vraiment terrible, le carnet. Donc, 100. Donc, il y a quand même un peu de brillant, hein, voyez. Voilà, celui-là est beau aussi, regardez, trop beau. Et celui-là avec les plumes. Donc. Celui-là aussi. Là, ils sont vraiment tous beaux. Sur ce carnet. Là, par contre, sans le foil, moins. Et celui-là. Et sans. Voilà. Donc, pour celui-ci. Et le dernier, alors, qui n'est ni Noël, ni... Mais je l'ai pris parce que, ben, il me plaisait beaucoup. Et qui me servira peut-être, ben, pour la Saint-Valentin. On y arrivera, hein. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont déjà sorti un love, mais bon. Alors, avec des petits cœurs, pareil. Donc, 100, comme d'habitude. Hein. Celui-là, avec des gros cœurs. Des petits, des moyens cœurs. Voilà. Là, il y a beaucoup de petits cœurs. Hein. Vous voyez. Des loves. Il est beau là avec le love. Celui-là. Et le dernier. Voilà. Donc voilà, ça c'était donc les 35. Il y en avait encore d'autres, mais après, bon. Donc ça, les 35, moi, si vous savez le prix, hein, normalement. Les 35.
C'est 1,99, je crois. Oui, 1,89. Voilà. 1,89. Je me suis repris deux toiles. Voilà, c'est par deux. Donc ça, les toiles, c'était... Donc c'est des 20-20 pour me refaire des mixed media. Donc c'est 1,59 €. Alors, je pense que c'est une nouveauté. J'ai vu ça sur la vidéo de Créa Mélan. Alors, je pense que j'en ai pris que 3. Oui, j'en ai pris que 3. C'est des kits de couture. Voilà. Donc, j'ai pris que... Non, j'en ai pris 4. 4. Deux de cette couleur-là. Alors, vous avez un tissu. Le tissu doit faire un peu moins de 50 cm, je crois. Oui, 48 sur 48. Voilà. Alors, vous avez un kit de boutons. Un qui est comme le tissu et un d'une autre couleur, hein, mais qui est en rapport avec le tissu. Et vous avez trois sortes de rubans. Alors, les rubans, il y a 3 fois 1 mètre. Donc, il y a de quoi faire quand même. Donc, moi, je ne les ai pris pas pour faire de la couture. Je pense que je vais essayer de voir si je peux m'en servir en cartonnage, peut-être. Ou toute autre chose. Je verrai bien. Parce que là, bon, je n'ai pas déballé encore pour voir l'épaisseur du tissu. Donc, je verrai par rapport à l'épaisseur du tissu ce que je peux en faire. Mais bon. Donc, celui-là, je l'ai pris en double. Alors, les kits de... C'est combien ça? Alors, ils appellent ça des décossettes loisirs. Alors, tissu 99 centimes. Vu le prix, hein, on ne pourrait pas s'en passer. Donc, j'ai pris cette couleur-là. J'ai pris celui-là avec les petits cœurs. Les boutons rouges et les boutons blancs et cœurs. Les petits rubans rouges, roses et blancs. Et celui-là. C'est dommage, il n'y en avait plus qu'un, parce que celui-là me plaisait vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, je regarderai la prochaine fois si j'en vois encore, parce que celui-là me plaît vraiment. Les autres me plaisent aussi, hein, mais celui-là me plaisait vraiment. Donc, 99 centimes. Bon. Ensuite, alors là, il n'y en avait plus que deux, donc je n'ai pas eu le choix dans les couleurs, je ne sais pas s'il y avait d'autres couleurs. C'est des rubans élastiques, bon, à la base, qui servent pour faire des bracelets. Voilà, vous voyez, comme ça. Moi, je voudrais m'en servir, bah, pareil, pour mes créations, peut-être pour mes cartonnages, pour faire mes... pardon. Mes carnets à aiguilles. Enfin, bon, voilà, je vais les détourner, hein, je ne vais pas en faire de bracelets. Donc, j'ai pris cette couleur-là, le jaune noir, le jaune et noir. Et il y avait cette couleur-là. Donc, bon, là, je n'ai pas eu trop le choix, il n'y avait plus que ces deux-là. Et vraiment que ces deux paquets-là. Donc, mais bon, je les trouve jolis. Alors, ça, c'était pas cher non plus. Je sais pas. où est-ce qu'ils ont mis ça? Voilà, 99 centimes pour ça. Ensuite, ça je crois que c'est une nouveauté. Alors, c'est comme un fil d'alu qui est dedans. Alors, je cherche un que je trouve le bout. Voilà. Voilà. Donc, c'est un papier. Et donc, moi, je les ai pris parce que c'est pour faire de la poésie papier. Je vous montrerai en vidéo ce que c'est. Et donc, pouvez les tourner dans tous les sens. Voilà. C'est du craft sur fil de fer, tout simplement. Donc là, je sais qu'il existe plusieurs couleurs, mais c'est pareil, il restait plusieurs paquets de celui-là seulement. Donc, je l'ai pris. Donc, celui-là... J'aurais dû préparer mes prix avant, hein, mais bon, je viens de revenir. C'est pareil, je crois que c'est 99 centimes. Non. 77 centimes. Voilà.
Alors, j'ai pris d'autres blocs. Alors, au rayon Noël, alors j'ai trouvé, il y a plus grand chose au rayon Noël, en loisirs créatifs. Hein. Là, par contre, il n'était pas ouvert, donc j'ai juste regardé comme ça. En plus, j'ai plus d'ongles, j'ai dû couper tous mes ongles. Je les ai encore cassés. Donc, maintenant, c'est compliqué. Hop. Voilà. Donc, un 15-15 en folle. Ah, il y a encore un... Pardon, il y a encore un plastique, un scotch de l'autre côté. Tout derrière, mais... donc voilà. Donc le fol, donc ça on le trouve au rayon Noël. Hein. Donc voilà. Donc je les avais pas vus en entier, mais ce que j'avais vu, je trouvais pas mal. Donc il y a deux pages de chaque. Voilà. Des roses de Noël. Mais là, il ne restait plus que celui-là, ou après, c'était un en couleur, et celui en couleur, je n'aimais pas. Ça, des guirlandes d'étoiles. Encore des roses de Noël avec des petites baies. Ça brille, ça brille. Celui-là, des petits pois, des petits points. Des ronds, comme on veut. Et guirlandes. Et le dernier. Voilà. Donc ça, j'en ai pris qu'un. De toute façon, je n'avais pas le choix. Donc le 15-15. 95 centimes. Ensuite, les vélums. Alors pareil, je les ai vus chez Créa Mélan. J'ai craqué. C'est de ta faute, ma belle. Mais j'en ai pris qu'un de chaque. Celui-là, vous devinez pourquoi, les papillons. J'ai vraiment trouvé super. Je voulais en prendre deux de chaque, il y en avait un deuxième, mais la couverture était craquée, et du coup je me suis demandé s'il ne manquait pas des feuilles. Donc voilà. Et je trouve vraiment super. Alors je crois que c'est deux feuilles de chaque, ouais. Voilà, regardez. Et ça me fait penser un peu aussi, quand j'ai fait, vous rappeler mon album, là, qui est là-haut. Cabinet de curiosité. Il aurait été vraiment bien, celui-là, dedans. Et celui-là. Il est chouette, hein. Voilà. Regardez, les papillons. Trop beau. Alors, je crois qu'elle disait, Créa Mélan disait qu'il y avait un bloc qui allait avec. Mais bon, j'ai pas regardé parce que les blocs 30-30, j'en achète plus pour le moment. Donc, je sais pas. Alors, il y avait celui-là. Et j'ai pris celui-là. Donc celui-là est plus tendre. Donc voilà, avec des petits oiseaux, des fleurs. Là, c'est joli. Bon, c'est vrai que le vélum, c'est un peu plus compliqué à se... Comment ? À s'en servir parce que le fol est en bas et en haut il n'y en a pas, donc mais bon. Donc les petits nuages. Bon, celui-là est un peu chargé, mais bon. Il faudra bien une utilisation.
Ah, celui-là, je ne l'avais pas vu. Allez, des cactus. Là, les croix. Celui-là, il irait bien avec le papier love. Et là, les ananas. Coco, si tu passes par là, regarde les ananas. Et des feuilles. Voilà. Donc, les vellum. Les vellum. Ah, ils sont tout en haut. C'est 1,58 €. Et j'ai pris... Alors là, je n'avais pas trouvé beaucoup de qui me... Enfin, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Mais il n'y en a pas beaucoup qui m'ont tapé à l'œil. C'est les blocs... C'est quelle taille déjà, ça? Je ne me rappelle plus. 15-20, je crois. Oui, 15-20. Voilà. Donc, j'ai pris celui-là. Mais là, bon, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont tapé à l'œil. Donc, hop. C'est vrai que bon, ils sont assez colorés. Là, il faut les, faut réussir à les associer. Maintenant que je le revois, pour carnaval. Non, mais bon, je vais bien réussir à. Celui-là est pas mal. Celui-là. Il pique aux yeux un peu, celui-là. Voilà. Et le deuxième. Donc là, j'en ai pris que deux. Ils sont vraiment très colorés. Mais alors, les autres, c'était encore pire. Voilà. Celui-là est un peu plus léger. Peut-être pour faire des choses pour les enfants. Voilà, des choses colorées. Et... Non. Ah bah, celui-là est un peu mieux. Donc ça, les 15-20... Ça doit être 1 €... J'en sais rien. Je ne trouve pas. Ah, je trouve pas. Ah si, 1,49 €, cela. Voilà. Ensuite, bon ça, je suis contente de les avoir trouvés, mais j'ai pas trouvé dans toutes les couleurs, parce que je sais qu'il existe d'autres couleurs. Alors, ça, c'est les kits, enfin les simili. Voilà. Donc, j'ai trouvé que 3 couleurs. Comment ils appellent ça? Je crois que c'est dans les 99 centimes. Ah non, 6 millicuir, 1,19 €. Donc j'ai trouvé en bleu, comme ça. En doré. Voilà. Et en cuivré. J'adore, le cuivré me plaît bien. Je vous referai un détail là-dessus, puis de ce que je vais en faire. Donc, voilà. Les 3 que j'ai trouvés. Donc, c'était 1,19 €. Ensuite, je me suis pris un petit paquet de sequins, paillettes. Ça, c'est au rayon Noël. Et ça, c'était pas cher. C'est pas cher, mais c'est où? je viens de le voir. Paillettes. Attendez. Carton pochoir Noël.
C'est quoi ça? 3 fois 1,99€. C'est quoi ça? 3 fois 1. Oh, attendez, j'ai un truc là qui me chiffonne. 35. Ah oui, non, c'est bon. Je crois qu'il m'avait compté un truc que j'avais pas. Alors, paillettes, voilà, j'ai trouvé. 0,63. Voilà, 63 centimes. Vous avez des sequins, des grandes paillettes, voilà, des grands flocons de neige, voilà, or et argent. Donc ça, je ne l'avais pas encore, mais comme vous commencez à connaître. Donc je ferai des vidéos là-dessus, malgré qu'il y en a déjà eu. Hein. C'est la... la tablette, enfin la boîte d'aquarelle. Donc ça, la boîte d'aquarelle. Bon, ça fait un moment qu'elle est sortie, je crois. Mais bon, je l'avais pas encore. Alors, l'aquarelle. Donc, dites-moi, normalement, je pense pas qu'il y avait de pinceau avec. Parce que je vois qu'il n'y a pas de pinceau. Donc, celles qui l'ont, est-ce que vous pouvez me dire s'il y avait un pinceau ou pas? Je vois pas qu'il y en ait. Je sais pas si j'ai pas vu dans les vidéos qu'il y avait un pinceau. Donc celles qui l'ont, dites-moi si vous aviez un pinceau dans la boîte. Aquarelle, aquarelle. Oui, ce que j'ai mis. €1,12. Voilà. Pour le prix, hein. Donc je les essaierai, je verrai ce que ça donne. Bon, j'ai déjà vu des vidéos, hein, mais parce que bon, moi j'ai les autres aquarelles, je les ai pas lavé. Bon, les vraies aquarelles, on va dire. Moi j'ai ceux-là, hein. Les aquafines. Là, c'est pas du action, bien sûr. Le prix n'est pas le même. Vous multipliez par 10. Mais bon, j'essaierai cela, je vous dirai. Par contre, celles qui l'ont, dites-moi s'il y avait un pinceau dedans ou pas. Parce que, je sais pas, ça... J'ai cru voir dans les vidéos qu'il y avait un pinceau. Je sais pas. Alors, dites-le-moi. Et, dernier achat. Voilà, et on aura fini. Alors ça, c'est pareil, je l'ai vu chez Créa Milan. Je savais pas que ça existait à Action. C'est toujours les aquarelles, mais des aquarelles liquides. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je ferai une vidéo pour faire un essai, parce que bon, j'ai vu sur sa vidéo, mais je vais essayer aussi moi-même. Voilà. Donc, il n'y a que 2 kits. Et si vous les voulez, j'ai vu que... Vous savez, le petit code barre est barré. Donc, ça ne va pas être suivi. Donc, si vous les voulez... prenez-les maintenant parce que dès que le stock est terminé, il n'y en aura plus. Parce que une fois que le code barre est barré chez Action, c'est qu'ils ne vont plus en recommander. Donc voilà. Donc c'est bien, c'est une petite boîte comme ça. Voilà. Et vous avez vos petites aquarelles liquides, voyez. Donc là. C'est la palette des rouges, on va dire. Il y a un rouge foncé, un rouge clair, un orange. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Déjà pour voir ce que ça donne. Un rose. Ah, je partirai l'autre, bien sûr. Hop, voilà. Et un rose plus foncé. Donc ça, je ferai une vidéo dessus. Alors, comme Créa Milan avait dit à sa vidéo, ce qui est bien, c'est que vous pouvez enlever les bouchons et vous remettez ça au-dessus. Et vous voyez, il y a des petits trous. Donc, ça fait que vous pouvez passer votre pinceau au-dessus. Voilà. Et bon, je crois pas que je ferai comme ça. Je crois que je vais faire autrement, mais bon, on verra. Donc, ça, c'est les rouges. Tout ce qui est dans les tons rouges, jaune, orange, voyez. Et là, c'est la même chose, mais dans les tons bleu et vert. Voilà.
Donc ça, je suis contente de les avoir trouvés. Et c'est dommage qu'ils ne vont pas les continuer. Enfin, en espérant que ça fonctionne bien. Mais vu ce que j'ai vu chez Créa Mélan, ça a l'air pas mal. Donc, si je vois que ça fonctionne bien, j'irai peut-être m'en rechercher un de chaque pour avoir en stock. Parce que ça, je vous dis, ils ne vont pas le continuer. Ils vont l'arrêter. Donc, ah oui, je ne vous ai pas dit le prix pour ça. En plus, c'est 2,15€ pour le prix. Hein. Donc, voilà ma petite vidéo sur mes petits achats que j'ai fait grâce à ma carte cadeau que mon fils m'avait offert pour mon anniversaire. Bon, je suis contente. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des gros achats chez Action. Enfin, ce n'est pas des gros, mais ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Alors, mon fils, si tu passes par là, malgré que tu es à la porte à côté... Je te fais plein de bisous, je t'aime. Et puis ma belle-fille aussi, je t'aime aussi. Et puis mes petits-enfants. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, voilà. Je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve donc très rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye. Bisous.